Donc vous avez cassé votre ligament croisé, ouais, ça c'est sûr. Sinon, vous ferez la buvette au basket. D'accord. Ouais, c'est clair. Tu me portes ? Yo mes petits gars, la Delta Family. Les gars, là on va voir le chirurgien comme je vous ai dit mardi. Donc tout simplement là c'est pour mon genou, hein. Comme vous le savez, hein, c'est pas pour autre chose, hein, pas pour les fesses ou je sais quoi. Lui il pourrait y aller pour son œil parce que l'œil là, comme je vous ai dit mardi, bah voilà, l'œil il est un peu comme ça. Il est parti. Du coup là on va voir un chirurgien. Comme la dernière fois, je vais essayer d'enregistrer si je peux. Comme ça je vais vous montrer ce qui se passe. Et puis voilà, on va voir. Là il va me dire tout simplement si on opère tout de suite, si on opère ou pas, parce que finalement c'est sa décision. Ça se peut qu'il me dise bah non monsieur, on opère pas, vous avez trop de muscles, vous êtes trop puissant. Là je pense pas. Ou sinon, il me dit aussi si quand je me fais opérer, si je vais dans un centre de rééducation. Parce que je compte pas me faire ma rééducation avec des meules de Comté à Poligny. J'espère pas, du moins. Donc on va voir tout ça. Et puis on sait pas voir où je me fais opérer. Comme ça je pourrais vous dire en même temps. Donc vous inquiétez pas, comme ça on se dit la date et tout. Et vas-y, on peut se rencontrer. Si ça a Lyon, il y a des gars là qui sont de Lyon. Vous êtes d'où? Mettez-moi en commentaire d'où vous êtes. Vous venez d'où? De France déjà? Ou de Guadeloupe? Guatemala? Allez go. Ouais, on s'est trompé. Le chef il pensait trop savoir. Il m'a emmené tout simplement un truc pour enlever les ongles de pied. Non, en toute réalité, vas-y, c'est de l'autre côté, vas-y, je dois encore marcher. Punaise, la merde. Hey, tu peux me porter? Tu me portes? Il veut pas. Punaise. Allons, on va voir ça. Imagine, le docteur, il me dit, ah bah non, monsieur, on a plus de place. On vous opère à Noël, le M4. Cadeau, là. Je suis dans les chiottes. Cadeau. Non, imaginez, il dit ça. À votre avis, vous pensez qu'il... Juste avant que j'aille le voir là, vous pensez qu'il va dire quand? Parce que là, on est le... Attends, Théma, je regarde, on est combien? Non, on est mardi 29 septembre. La vidéo va sortir le vendredi, 18h30. Donc là, les gars, votre avis, vous pensez que ça sera quoi? En octobre, en novembre ou en décembre? Mettez en commentaire direct. Ça a été le caca? Oui. Il est fou, celui-là. Punaise, t'es beau gosse. T'as encore mettre des dunks, toi, samedi. T'es gros dunks. Arrête. Les gars, on est posé en salle d'attente, au calme. Petite jambe là. Oui, tchatch. Y'a que les serbes pour mettre les jambes comme ça. Moi, ça me fait mal. Je sais pas, non. D'habitude, je mets comme ça. Comme ça, non. Enfin bref, un débat inutile. Sans genou droit. Pratique le basket N3 et sur une torsion contact 12-09-2020. Chute, douleur, pas vraiment de sensation d'instabilité, pas vraiment de craquement. Pour l'instant, il est en kinésithérapie, il a encore un fort trouble du schéma de la marche avec une boiterie et infection. L'examen clinique copicole. L'IRM retrouve une rupture du ligament croisé antérieur de lésion du ménisque médial, stade 3. Point. Diagnostic indication, il s'agit donc d'une rupture LCA. Chez un joueur de basket, il est bien logique de lui proposer une greffe LCA en utilisant les ischio-jambiers. Je lui en explique les modalités. Je lui propose de l'opérer le 19 octobre avec un programme de kinésithérapie en insistant beaucoup sur la récupération du schéma de marche. Et on va faire une demande en rééducation à Cap Breton, comme il le souhaite. Amitié. Donc vous avez bien cassé votre croisée et vous avez bien abîmé aussi votre ménisque interne. Quoi. Donc compte tenu de tous ces trucs, comme vous, il n'y a pas deux minutes à hésiter. Quoi. Vous êtes obligé d'être opéré. Quoi. Mmh. Sinon, vous ferez la buvette. Non. Au basket. D'accord. Ouais, c'est clair. Bon, les frérots, carrément, les gars, je sors, il fait une night. Les gars, il fait une nuit. Bon, je vais vous dire un peu ce qu'il m'a dit, chirurgien. En tout cas, la jambe, je commençais à boiter un peu, tu vois, parce que j'avais un peu peur. Mais en fait, il m'a dit, tu peux marcher, faut pas hésiter et tout. Sinon, après, ça sera trop bizarre si quand tu vas reprendre, quand on va t'opérer finalement. Parce qu'il paraît qu'on t'opère, le lendemain, tu peux marcher, mais avec des béquilles. Déjà, là, je suis pas serein. Alors après, je t'imagine même pas. Mais vas-y, c'est pas grave, là j'essaye déjà, il m'a dit de bien faire ça. Tendre, il m'a dit de bien tendre. Bim, bim. Et de pas hésiter, de bien tendre, marcher. Essayer naturellement et pas de boiter, pas de compenser et tout ça. Donc voilà. Ensuite, comme vous avez pu entendre, bah voilà, c'est un mois et demi
hop, il m'arrête, je le revois, il me redit, normalement un mois et demi, je suis encore arrêté et tout ça. Et puis après, le sport, normalement, dès là, je pourrais reprendre le sport, mais c'est faire du vélo, c'est faire des trucs comme ça, pour remuscler, du gainage et tout ça. Après opération, je crois que ça va être, si j'ai bien compris, on verra avec la, avec l'audio si ça correspond pas. Ça correspond bien, mais normalement, c'est trois semaines après l'opération, je peux reprendre. Donc tout ce qui est, bon, bien sûr, vélo et tout ça. Et puis voilà. Le but après, c'est de me mettre au Cap Breton. Je sais pas si vous connaissez. Donc on va voir, on va faire la demande. J'espère que je serai accepté. Si vous avez des contacts, si vous avez des paroles, je sais pas quoi là-haut, dites-le moi, parce qu'il faut à tout prix que j'atterrisse là-haut. Parce que si j'atterris, je sais pas où, à Arbois, Arbois genou plié, ou j'en sais rien, laisse tomber. Donc voilà les gars. Ça, c'est le petit résultat. J'espère que vous entendrez bien, en tout cas au son, comme j'ai pu vous enregistrer. Et en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui seront encore là. Ok. L'opération, elle se fera, les gars, à Lyon, tout simplement. Je verrai si on se fait une petite rencontre ou quoi. Et puis voilà, dites-moi si vous êtes OP, en tout cas, les gars. Et ciao, n'oublie pas le petit like, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, les gars. On va manger, on va en boîte, on va faire quoi? On va en boîte. Let's go en jogging! J'en ai pas. Oh, j'ai trop plein de papiers à remplir, gros. Gros, elle me dit. Je crois que je vais pas faire. Gros, elle me dit. Elle me dit. C'est trop. Bah non, oh, j'ai dit c'est trop. Non, je lui ai dit c'est trop. L'autre, elle me dit un papier. Faut que t'ailles ordonnance pharmacie pour ça. Ensuite, faut que t'ailles faire des analyses. Ensuite, faut que. Wow. Déjà, la quatrième ordonnance qu'elle m'a sortie, je me suis gratté la tête. Attendez, je fais tout ça. J'ai vu une application, je peux m'opérer tout seul. J'ai un pot de serbe, il connaît un petit peu. Ouais, un pot de serbe, il connaît. Dites-moi juste si vous mettez une charlotte quand il opère. Ouais, il a déjà fait avec son chien, je pense que c'est bon. Ouais, il a déjà fait le kiné du chien, il est. J'ai un vétérinaire chez moi, il est bon. Et tu sais ce qu'il disait? Il mettrait, admettons, à Cap Breton, direct en short. Cap Breton. Ouais. Ensuite, je reviens au bout de 3 semaines. Un mois kiné, et ensuite je repars à Cap Breton. C'est bien qu'il t'a dit tout ça. Merci bien. Ça serait bien ça. Bien joué, mais ouais, je suis pas encore accepté. Ouais, bah, tu vas être accepté.